Bonsoir à tous. J'annonce au monde ce fait divers de première grandeur. Un nouveau style vient de naître. Un vertige de plus est donné à l'homme, le surréalisme, fils de la frénésie et de l'ombre. Entrez, c'est ici que commencent les royaumes de l'instantané. C'est par cette phrase superbe qu'en 1924, Aragon annonçait, claironnait la naissance du mouvement surréaliste. C'est aussi au cours de cette année 24 qu'André Breton publiait son manifeste du surréalisme. Alors, 53 ans après, on peut se poser la question, le surréalisme est-il entré dans les mœurs? Ce sera le thème du 90e numéro d'Apostrophe. Vous avez dû reconnaître dans le générique des toiles de Max Ernst, Quirico, Miro, Magritte, et sont extraites du Journal du Surréalisme, un très très bel album qui est paru il y a quelques mois aux éditions Skira et qui est signé Gaëtan Picon. Gaëtan Picon qui est mort il y a aussi quelques semaines et qui évidemment aurait été des nôtres ce soir. Le Journal du Surréalisme raconte l'histoire du mouvement surréaliste dans l'art et évidemment à travers le mouvement surréaliste dans l'art, toute l'histoire du surréalisme. Voilà, alors maintenant, mes invités, à ma droite, Robert Lebel, qui est écrivain, une douzaine de titres, écrivain, critique et expert d'art, une douzaine de titres à votre actif. Vous avez été l'ami d'André Breton pendant 25 ans, et vous avez fait longtemps partie du groupe surréaliste. Et avec 10 autres auteurs, vous avez publié récemment aux éditions Payot un ouvrage intitulé « La civilisation surréaliste », ouvrage présenté par Vincent Bounour, et le texte qui ouvre cet ouvrage est de vous, et j'ai d'ailleurs puisé l'interrogation de cette émission, c'est-à-dire le surréalisme est-il entré dans les mœurs. À côté de vous, Gérard Legrand, qui est philosophe et poète, au total une dizaine d'ouvrages, ami et collaborateur d'André Breton pendant plus de 15 ans, jusqu'à la mort de Breton en 66. Et ce sont ces entretiens privilégiés que vous avez eus avec Breton qui nourrissent cet ouvrage qui est publié aux éditions du Soleil Noir, André Breton en son temps, nous en reparlerons tout à l'heure. À côté de vous, Jean-Jacques Brochier, rédacteur en chef du magazine littéraire, auteur d'ouvrages de critique sur Camus, Nizan, qui doit encore Sade et quelques autres. Et vous avez publié aux éditions Stock un ouvrage intitulé « L'aventure des surréalistes » de 1914 à 1940. Alors là, de l'autre côté, il y a un fauteuil vide, dans lequel viendra s'asseoir tout à l'heure un invité surprise dont vous ne connaissez pas le nom, enfin, ce sera amusant, disons, 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de l'émission. Et puis, André Thirion qui est romancier, auteur d'une biographie en 72, une autobiographie en 72 qui a fait couler beaucoup d'encre, révolutionnaire sans révolution, car vous témoignez dans cet ouvrage de ce qu'a été le surréalisme dans les années 30, car vous avez fait partie donc du groupe surréaliste dans les années 30. Et alors, là aussi, vous avez bien connu Breton et beaucoup d'autres surréalistes. Et vous publiez aux éditions Sagittaire une pièce intitulée « Défense de ». Et puis enfin, Bonnat de Mandiargues. Bonnat de Mandiargues qui... Alors, vous êtes peintre surréaliste, vous êtes née italienne, vous êtes naturalisée française, vous êtes l'épouse d'André-Pierre de Mandiargues. Et vous publiez aux éditions Stock un ouvrage intitulé « Bonaventure » que signe également Alain Vircondelet. Alors, ce livre, comme le dit Alain Vircondelet dans sa présentation, c'est un puzzle. Comme vous êtes surréaliste, vous n'avez pas fait un ouvrage comme tout le monde. Vous avez fait un puzzle, c'est un jeu alphabétique. Vous aimez beaucoup les zigzags, j'ai l'impression. Oui. Hein? Oui, toute ma vie a été un peu un zigzag. Enfin, une aventure assez spontanée, disons, poussée par l'instinct. Certainement, le surréalisme m'a influencé énormément, n'est-ce pas, dans la... Alors, vous êtes peintre surréaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un peintre surréaliste? Difficile, hein, mais... C'est assez difficile à définir. Je déteste d'abord les définitions. Et je crois que même le surréaliste ne peut pas encore être défini, malgré tout ce qu'on a écrit. Mais je crois que c'est surtout partir de l'automatisme, de l'inconscient, avoir le goût pour le merveilleux, pour les rêves. Et c'est ce qu'on retrouve dans vos peintures. Oui, je pense.
Et ne pas savoir, avant de faire l'œuvre, ce qu'on va faire, c'est-à-dire être ses premiers spectateurs, n'est-ce pas? Et plutôt lire le symbolisme de ce qu'on fait après l'avoir fait qu'avant. Et c'est pour ça que les œuvres des surréalistes diffèrent un petit peu de celles des autres peintres, c'est-à-dire, je dirais que chaque tableau est une aventure en elle-même. Il n'y a pas vraiment tellement de constance, de suite, n'est-ce pas, de faire 30 tableaux pareils. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est l'aventure de tableaux qu'on est en train de faire. Vous dites à plusieurs reprises dans votre livre que la peinture pour vous est une magie. La peinture vous a sauvé du malheur, du désespoir, et vous ajoutez même à un moment qu'elle vous a sauvé du suicide. Oui, c'est vrai. Je crois que peut-être depuis la naissance, je crois qu'il y a des gens qui portent le suicide en eux, qu'on est aussi avec une question qui est pourquoi, et qu'on vous répond toujours par des biais qui sont encore d'autres questions. Enfin, il n'y a pas de réponse à la question à toutes les questions que la vie, n'est-ce pas, nous pose et nous impose. Je crois que je suis révoltée depuis mon enfance, aussi parce qu'on voulait un garçon, j'étais une fille, donc... Défense d'étudier, défense de faire quoi que ce soit. Quand vous viviez, vous racontez dans une belle demeure italienne. Oh là là, vous m'avez fait rêver. Oui, c'est vrai, mais j'ai préféré les paysans qui étaient plutôt des anarchistes. Ah, parce que j'étais dans une région d'anarchistes. Je crois que j'ai beaucoup plus appris par les paysans que par certainement l'ambiance bourgeoise dans laquelle j'ai grandi. C'était plutôt une souffrance. Et certainement, n'est-ce pas, la peinture pour moi a été un petit peu le signe de la révolte au départ. J'ai eu la chance après de connaître De Pisis, qui était mon oncle, qui était un homme aussi qui vivait absolument d'une manière tout à fait poétique, enfin artistique, loin de la et contre la bourgeoisie. Et puis j'ai laissé mon pays dans des moments après la guerre, enfin, où il y avait eu le fascisme, l'église, l'État, la famille. Je voulais balayer tout ça. Et arrivant à Paris, le surréalisme... On sent le surréalisme, hein, ça... Et en arrivant à Paris, naturellement, le surréalisme a été pour moi un bain de santé extraordinaire, surtout la rencontre avec Breton. Alors là, zigzag, et j'y pense d'un seul coup, l'escargot aussi. Il y a tout un chapitre consacré à l'escargot. Vous adorez être... Oui, l'escargot est entré comme ça, parce que naturellement, dans le surréalisme, il y a beaucoup d'humour, avec beaucoup de sérieux. L'humour est une chose des gens sérieux. Et l'escargot est entré là parce que je suis un être, en effet, un peu escargotique. J'ai fait des grandes sorties et puis je me rétracte aussi vite. Vous dites même que vous avez la conscience.